Moi, c'est ce qui m'a permis de trouver, en tout cas. Dans mon cas, moi, c'est les réseaux sociaux qui m'ont permis de trouver un poste. Ouais, je crois que ça aide. Dans certains domaines, ça aide, ouais. Ouais, ça aide. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de trouver un travail grâce à Internet? Non, non. C'est plus simple, on n'a pas besoin de bouger de chez soi. Puis voilà, on peut consulter directement sur Internet, quoi. Je sais que c'est important pour les autres, mais pour moi-même, c'est pas si important que ça parce que je démarche directement, quoi. Un petit clic et voilà, c'est bon. Avant, il fallait venir, il fallait voir un conseiller, il fallait prendre le téléphone pour faire le 3949. Voilà, Internet, c'est du rapide maintenant. C'est un petit clic et on a tout, en fait. Ben moi, j'y connais rien. Donc franchement, ça m'a facilité juste de pas, au lieu de faire le tour de tous les restos de Lyon, ça me pourrait... Par exemple, les annonces qui cherchent serveuse, ça m'a facilité en ça. Mais comme, j'imagine que ça dépend des boulots. Des boulots où il n'y a pas un accès moins direct, Internet doit être primordial pour des premières entrées en contact, ou j'en sais rien, mais ça me concerne pas vraiment, en fait. Justement, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Il faut que je mette mon CV en ligne et ça va me créer des alertes de recherche d'offres d'emploi, en fait. Voilà. Je tape pain, usine, intérim, voilà. Bon, on n'a pas d'internet à la maison. Et comment vous avez fait alors pour faire votre CV? Fait le taxiphone. Je passe du temps sur Internet, mais je pense que je vais aussi voir directement les employeurs. C'est le contact physique est quand même très important, je pense. Déjà, se renseigner sur l'entreprise, ça c'est super important. Essayer de se renseigner sur le responsable qu'on va avoir en entretien, ou la DRH, ou n'importe la personne qu'on aura en entretien en face de nous. Et rester honnête et franc derrière, ne pas inventer des compétences qu'on n'aurait pas. Et bien sûr, continuer à rechercher, comme je vous ai dit, sur les sites internet, ne pas se consacrer que sur Pôle emploi. Voilà, il faut essayer d'être large et de viser, on va dire, un maximum de possibilités. Mais c'est assez abrutissant quand même, hein. Parce que c'est très très pénible à faire. On s'embrouille très très vite. Au bout de 4 heures, même au bout de 3 heures, on est dans le brouillard. Il y a beaucoup beaucoup de sites, mais en fin de compte, on est très vite dispersé. Donc en travaillant sur Pôle emploi, on a comme une concentration d'annonces qui sont intéressantes. Voilà. Alors après, on peut aller ailleurs, bien entendu. Moi, je sais pas, ça surprend souvent, mais le Bon Coin, il y a plein d'offres d'emploi et je sais pas, j'ai toujours trouvé par le Bon Coin, donc voilà. Sinon, les agences d'intérim aussi. Je tape sur le moteur recherche Google, ça met automatiquement l'offre que je veux, ou bien je vais sur le site Pôle emploi. Voilà, je clique, je suis inscrit sur Pôle emploi déjà, donc j'ai préparé 3 CV disponibles, donc que je peux expédier directement depuis chez eux. Les réseaux sociaux, tels Facebook, Twitter, etc. Après les offres d'emploi, on a beaucoup Indeed. Indeed sur Internet qui permet de chercher des offres d'alternance, des offres d'intérim, de CDI, de CDD. Pour les jeunes, il y a beaucoup l'étudiant aussi. Donc le site étudiant qui permet de chercher des offres d'alternance. Donc ce qui est très bien surtout pour les jeunes parce que je pense qu'on n'est pas assez aidé ou assez... informé sur certaines démarches à avoir pour trouver un poste. Via Deo, j'avais regardé, je trouvais ça trop compliqué, donc je me suis pas inscrite. Il y a eu Ronald Job, du coup. Il y a eu APEC. Et je crois que c'est tout. Les autres, c'était par curiosité, quel job, Viva Street, je regardais, mais je me suis jamais inscrite chez eux. Ah non, et Cadre Emploi, 3. Donc Cadre Emploi, l'APEC, et Ronald Job. Honnêtement, oui, mais parce qu'il faut s'inscrire et parce qu'il faut mettre son CV, mais c'est vraiment pas le Pôle emploi qui... Je savais d'avance que c'était un peu par obligation,
plutôt que en pensant trouver le job de ma vie, quoi. Mais bon. C'est pas évident, il faut beaucoup d'expérience, beaucoup de temps pour utiliser après les fonctions d'Internet, hein, de Pôle emploi par exemple, et même sur les autres sites qu'on trouve en publicité sur Internet, on rebondit, mais en fin de compte, c'est pas toujours facile. C'est vrai que si j'avais peut-être 50 ans ou 60 ans, je connaîtrais peut-être, mais je saurais peut-être pas comment faire. Mais après, voilà, nous, c'est plus facile, quoi, du coup. On a grandi avec ça, donc c'est beaucoup plus simple. Avec le numérique, je pense qu'il y a beaucoup d'applications maintenant de nos jours qui nous permettraient de nous mettre en relation directement avec des organismes qui pourraient nous aider, parce qu'il n'y a pas que Pôle emploi, il y a les missions locales qui peuvent nous aider, il y a plein d'organismes que beaucoup de... je parle au nom des jeunes, hein, pas au nom des personnes qui sont en licenciement ou des personnes qui ont déjà un vécu, je parle surtout au niveau des jeunes pour l'insertion professionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui peuvent nous aider. Mais derrière, voilà, faut les connaître et il faut en parler. Donc c'est pour ça que je pense que de nos jours, des applications qui pourraient servir à nous mettre en relation avec tel ou tel organisme, ça serait vraiment bien, surtout pour les jeunes.